et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du centre culturel Chibaou. Ce soir, ce soir, nous avons un, un invité de passage qui est Antoine Leca. Euh, Antoine Leca, c'est une sorte d'aigle à deux têtes. Il est à la fois diplômé en histoire et, et en droit. Il est professeur des universités université d'Aix-Marseille euh, et il est, comme je le disais, de passage sur le territoire. Euh, à l'invitation d'une association, euh, l'Association pour la promotion du droit coutumier Kanak. Et euh, bien qu'il ait rédigé une trentaine d'ouvrages, autant que je me souvienne, et, et près de 200 articles sur hein, différents types de droits, c'est de droits coutumier qu'il sera question ce soir. Alors, je voulais juste euh, dire que le, le titre avait soulevé euh, quelques interrogations, précisément à cause du, du point d'interrogation. Je ne sais pas si Antoine l'a voulu comme ça. En tout cas, euh, quand il s'agit de communiquer sur les réseaux sociaux, il est un fait que euh, certaines personnes ne l'ont pas très bien pris. Donc, je ne voudrais pas spoiler ce soir, mais la réponse à la question est évidemment oui. Voilà. Euh, ce n'est pas moi qui développerai pourquoi c'est oui. Évidemment, je n'ai pas les compétences pour. Euh, mais je crois que la conférence ce soir a au moins un intérêt c'est d'éclairer. Euh, le droit coutumier pour ceux qui ne le connaissent pas, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, même dans ce pays. Et puis peut-être de, de lever certains doutes quant à l'appréciation ou la perception de, du titre qui, euh, je vois, la feuille d'Antoine ne comporte pas de point d'interrogation. Voilà. Alors Antoine n'est pas venu tout seul, il est venu avec euh, Sabrina Ouédé, qui est la présidente de l'association dont je parlais à l'instant. La PDCK, voilà, j'espère que je me suis pas trompé, euh, qui dirait un petit mot euh, tout à l'heure sur l'association elle-même et qui elle-même n'est pas venue seule. Il y a d'autres membres de cette association dans la salle. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous avez vu qu'il y, y a un petit badge euh, qui est porté par euh, ces personnes et vous avez tout l'asile, évidemment, euh, à la fin de, de cette conférence, après les débats, d'échanger sur ce que vous n'aurez pas échangé auparavant. Et à ce titre, alors je rappelle que, évidemment, euh, la conférence est enregistrée, mais les débats aussi. Ce qui veut dire que quand vous aurez une question au terme de cette conférence, d'ici à peu près une heure, je dirais, euh, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous tendre ce micro. Même ceux qui ont des voix qui portent, il ne s'agit pas tant de, de se positionner dans la salle, mais d'être entendu dans l'enregistrement, qu'il soit audio. Puisque nous, on mettra à disposition très vite sur le catalogue de la médiathèque cet enregistrement. Et puis, il y a Caledonia qui, qui est là ce soir, comme euh, à chaque conférence, et qui fait une captation du visuel, captation qui sera diffusée selon leur euh, programmation, puisqu'ils enregistrent euh, beaucoup de conférences. Donc, d'abord sur leur antenne, ensuite sur leur chaîne YouTube, et nous-mêmes, sur la chaîne euh, YouTube du Centre culturel Chibaou, vous aurez tout le loisir d'écouter ensuite, enfin, de voir. Euh, la conférence en question. Voilà, je vais céder le micro à madame Ouédé pour qu'elle puisse dire un mot sur l'association entre autres. Merci à vous et à plus tard. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, madame Sabrina Kate, épouse Ouédé, présidente de l'Association pour la promotion du droit coutumier KANAK. Merci à vous de votre présence à cette conférence du droit coutumier KANAK, dédiée à la mémoire de notre regretté responsable du pôle formation continue et alternance à l'UNC. Je veux bien sûr parler de Madame. Mounier Graziella. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite adresser mes remerciements au Centre culturel Chibao qui nous donne l'opportunité d'occuper ce lieu emblématique et symbolique. L'association se joint à moi pour saluer son travail sur la connaissance et la conservation de notre histoire, socle pour la construction de notre avenir commun dans ce pays. Pour ceux et celles qui découvrent l'existence de cette formation continue, elle a été mise en place en 2020 et s'échelonne sur trois ans. À l'issue de cette formation et la volonté de promouvoir le droit KANAK, les étudiants de la première promotion ont créé l'association pour la promotion du droit coutumier KANAK, dont je suis la première présidente. Grâce au dynamisme de ces passionnés, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le maître de conférence, M. Antoine Lecas, docteur en droit de l'histoire et professeur agrégé à l'Université d'Aix-Marseille, membre d'honneur de notre association. Il a été enseignant de la première promotion du DU Droit coutumier kanak. Et comme vous le savez, tous et toutes, il est l'auteur de plus d'une trentaine de livres, dont plusieurs sur le droit de la santé et le droit coutumier kanak en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, cela fait 30 ans que le professeur Leca vient en Nouvelle-Calédonie pour des missions. À ses côtés, nous allons, autant que faire se peut, répondre à la question à la fois simple et difficile. Le droit coutumier kanak a-t-il un avenir Sans plus tarder, je vais passer la parole au professeur en espérant que cette soirée apportera à tous et à toutes quelques réponses à vos questionnements et surtout une invincible force d'en savoir plus. Merci de votre attention et excellente soirée de réflexion. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord vous confier que je suis extrêmement honoré et fier d'avoir été invité à prendre la parole ce soir dans ce centre culturel qui porte le nom d'un grand homme. Je voudrais remercier l'Association pour la promotion du droit coutumier Kanak et son bureau qui ont fait appel à moi je voudrais également remercier les autorités du centre culturel Djibaou, sa directrice manuel Castejon responsable de la médiathèque qui ont contribué à organiser cette soirée ce soir je voudrais euh, immédiatement euh, dissiper un éventuel malentendu ce soir je ne vais pas vous parler de la coutume kanak je n'aurais pas légitimité pour le faire. Il y a des sachants kanaks qui seraient beaucoup mieux placés pour en parler et qui pourraient me donner des leçons. Je vais vous parler de ce que je connais. Je vais vous parler de droit. Le droit, je l'enseigne depuis 40 ans et je vais vous parler de droit civil coutumier kanak parce que c'est une discipline à laquelle j'ai dédié une vingtaine d'années de recherche. Depuis que la, la production jurisprudentielle des tribunaux a donné à la matière une densité véritable. J'ai eu déjà l'occasion de l'indiquer, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce qu'est le droit civil coutumier canaque, j'y ai consacré un livre, voici la, voici la deuxième édition, le livre est aujourd'hui à, à sa quatrième édition. Mon propos ici n'est pas de présenter le contenu de la discipline et je ne vais pas non plus vous détailler les conditions historiques de son émergence. Toutefois, pour que les choses soient bien claires, je me bornerai à indiquer, à titre introductif, qu'il faut absolument éviter de confondre la coutume et le droit civil coutumier kanak. Ce sont deux choses tout à fait distinctes. Cette différence s'explique par deux raisons essentielles. La première, c'est que la coutume kanak englobe toutes les valeurs morales, spirituelles, les règles de vie et les pratiques coutumières du peuple originel de ce pays. C'est un tout qui n'est qu'en partie juridique. La discipline fait l'objet d'une chronique dans la revue juridique et politique de la Nouvelle-Calédonie. J'ai le plaisir d'assurer cette chronique depuis 2015 et je voudrais remercier le directeur de la revue qui m'a fait confiance, c'est M. Robert Bertram. Parlant de la discipline, je voudrais souligner que l'Université de la Nouvelle-Calédonie a créé un diplôme d'université de droit coutumier Kanak en 2019. Et bien sûr, je remercie les présidents d'université, c'était Gaël Lagadec, puis Catherine Ries. Je remercie la directrice du diplôme d'université, Caroline Bouix, d'avoir fait appel à moi. Ce qui m'a permis d'enseigner dans le cas de la première promotion de ce diplôme, première promotion qui a duré quelques années parce que nous avons été entravés par la survenance de la pandémie que vous savez. La deuxième raison qui, qui m'amène à distinguer la coutume canaque du droit coutumier canaque tient au fait. Que le droit coutumier kanak n'est pas une création exclusivement kanak. C'est une construction hybride, une construction mixte, biculturelle si vous préférez. C'est la partie juridique de la coutume mélanésienne telle qu'elle est appréhendée, constatée par le tribunal de première instance complété par des assesseurs de statut civil particulier les sections détachées du tribunal de première instance à oué et à coné et puis bien sûr la cour d'appel de nouméa pareillement constituée c'est-à-dire avec des magistrats de métier et des assesseurs coutumiers ces tribunaux Existe sur le papier depuis 1982, mais il ne fonctionne régulièrement que depuis 1990. Ce ne sont pas des tribunaux coutumiers. J'insiste bien sur ce point, parce que l'ordonnance de 1982 qui les a créés n'utilise pas ce terme. En Nouvelle-Calédonie, et je vous parle en juriste, le juriste. Euh, utilisent des mots qui ont un sens précis. En Nouvelle-Calédonie, c'est la République française qui a le monopole de la justice et les tribunaux dont je parle sont des juridictions étatiques. Juridictions étatiques dans lesquelles siègent des magistrats de métier et des assesseurs coutumiers euh, qui sont euh, choisis en raison de leurs compétences. Coutumière. Leur installation s'est opérée dans le consensus. J'insiste bien sur ce point. Les leaders indépendantistes, et parmi eux les plus intransigeants, comme Wewene, Wewene et Eloi Machoro, ont soutenu en 1982 l'ordonnance qui a ouvert la possibilité aux assesseurs coutumiers de siéger dans les chambres civiles. Alors le droit coutumier CANAC s'alimente à ces sources qui sont des sources plurielles. Elles ne se confondent pas avec la seule coutume. A priori, tout ceci est bien connu, mais il m'a semblé qu'il était utile de le rappeler encore une fois ce soir, avant de commencer cette conférence. Cette conférence le micro est en train de me lâcher heureusement il y en avait un second j'espère que le second va tenir toute la conférence le propos de euh, cette conférence ce soir consiste à se poser la question de l'avenir euh, du droit coutumier kanak alors à l'époque où ce pays était formellement une colonie et que la France avait abandonné à ceux qu'elle appelait les indigènes la jouissance de leurs droits coutumiers, il a été parfois question de supprimer celui-ci et d'imposer à toute la population le droit civil français. L'idée n'a jamais convaincu, à la différence de la Polynésie voisine. En Polynésie, dès que les Français se sont installés, ils ont appliqué leur code civil, 1874, et puis après euh, l'annexion, ils ont tout de suite accordé aux Tahitiens la nationalité française. Et bien sûr, tout ce qui pouvait exister du droit coutumier maoï a disparu avec l'application du droit français, au point qu'en 1945, toute trace du droit coutumier maoï a complètement disparu en Polynésie française. On n'a rien de comparable en Nouvelle-Calédonie. En effet, la distance culturelle qui existait entre les Kanaks et les Calédoniens d'origine française a imposé l'idée qu'ils ne pouvaient pas être soumis aux mêmes règles juridiques. Il en a résulté une bipartition, aux Français le Code civil et l'exercice des droits démocratiques, aux Kanak, la coutume de sauvagerie et le Code de l'indigénat de triste mémoire. D'ailleurs, un décret de 1928 a interdit aux indigènes d'accéder aux juridictions françaises. Alors bien sûr, ce système colonial a été théoriquement abrogé en 1945. À cette date, personne sauf les communistes qui n'étaient pas très nombreux sur le caillou, personne n'a envisagé d'imposer un droit commun à toute la population du territoire d'outre-mer. Alors depuis cette époque, le statut personnel est constitutionnellement garanti tant dans le texte de la Constitution de 1946 que dans celui de la Constitution de 1958 qui nous régit toujours. Aujourd'hui, dans la Nouvelle-Calédonie engagée formellement dans un processus de décolonisation, issue des accords de Matignon et de Nouméa, on pouvait donc imaginer que le respect du droit civil coutumier kanak et son égalité avec le droit français pourraient être absolument assurés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas d'abord parce que des voix européennes s'élèvent pour contester L'existence même de ce droit coutumier kanak. Selon eux, le droit coutumier kanak ne, ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du droit, pensé évidemment sur le modèle du code civil français. On verra leur raison plus tard. Disons pour le moment que c'est là un préjugé qui est assez courant en France, un préjugé dont on se défait avec beaucoup de difficultés. Pendant longtemps, en France, on avait l'œil rivé sur l'art classique, et ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers n'était pas pour les Français de l'art. Ils en sont revenus, bien sûr, et s'élèvent aujourd'hui à Paris le magnifique musée du Quai Branly. Pendant longtemps, les Français ont pensé que l'école de la République ne pouvait enseigner que le français. Et l'école de la République méprisait les dialectes et les patois, notamment le provençal, qui jusqu'au XIVe siècle avait une tradition littéraire beaucoup plus brillante que le français. Eh bien, les, les Français en sont revenus. Et aujourd'hui, à l'école, on enseigne ce qu'on appelle les langues régionales. Pendant longtemps, les autorités, les juristes français ont considéré que le droit coutumier des populations d'outre-mer n'étaient pas du droit. Ils en sont revenus, bien sûr. Mais certains esprits entélébrés en sont restés à des conceptions dépassées. Il faut le comprendre, mais pas pour autant les excuser. J'observe que la simple idée que les Kanaks puissent conserver leurs coutumes et leur système de droit paraît tellement insupportable à certains qu'ils développent contre cette évidence une hostilité proprement stupéfiante. Il est triste de constater que ce projet négationniste mobilise aussi des anthropologues qui, du fait de leur formation universitaire, devraient avoir appris le respect de la différence. Parvenu à ce stade, je voudrais éviter d'être mal compris. Je ne parle pas des anthropologues en général. Il y a dans ce pays des anthropologues qui sont remarquables, notamment John Passa et, et Patrice Gaudin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je parle d'une minorité d'anthropologues qui est ancrée non pas ici, mais dans l'Hexagone. Depuis 2013, un petit groupe de ceux-ci, oublieux de toute retenue déontologique, déchaîne contre la coutume et le statut canaque un tir idéologique nourri qui est susceptible d'influencer l'opinion publique française. C'est le cas de certains auteurs que je ne vais pas citer ici, ils ne sont pas présents, alors je ne vais pas attaquer des gens qui sont absents, et puis de toute façon, je n'attaque pas des personnes. J'attaque des idées qui me semblent nuisibles, et j'entends mettre en avant des idées qui me semblent utiles pour le, ce pays. Donc par commodité, je parlerai d'école anthropologique métro-calédonienne. C'est une école qui a peu de racines locales. C'est une école qui tourne le dos à tout ce que ce pays a voulu construire positivement depuis les événements que vous savez. Les accords de Matignon puis de Nouméa. Deux choses, principalement. La reconnaissance des droits des Kanaks, d'abord. Et aussi un destin commun pour tous les Calédoniens, basé sur le respect des différences de chacun. L'opinion a découvert ses auteurs avec un article partisan et sectaire qui a été publié par la revue Vacarme en 2013. Immédiatement, cet article a suscité un tollé dans ce pays et a reçu une réponse remarquable et argumentée de la Ligue des droits de l'homme et de son président Poigoun. Depuis grâce à un important soutien financier de la mission droit et justice près du ministère français de la justice, l'activisme de cette école s'est intensifié. Il en est sorti en 2016 un rapport intitulé Faire la coutume canaque un droit, enjeu, histoire, questionnement. Puis a suivi en 2017 l'apparition d'un ouvrage collectif, La coutume canaque dans l'État. Et puis, il faut rattacher à ce courant une thèse qui a été soutenue à Sciences Po Paris en 2022, La fabrique du droit coutumier. Fabrique, vous le noterez, c'est un terme qui souligne l'artificialité. Cette école anthropologique a une vraie cohérence. Son projet est dirigé contre ce que les auteurs appellent le discours différentialiste et contre, je cite, les activistes de l'autochtonie. Leur projet vise à discréditer le droit coutumier kanak pour le détruire. Alors je vais articuler cette conférence sur deux axes. Et bien sûr, le premier volet d'abord, le premier volet d'abord, c'est le droit canac, un système juridique qui a vocation à perdurer. Alors je vais immédiatement, vous l'avez compris, ôter le point d'interrogation. C'est une affirmation. Oui, le droit civil coutumier canac a un avenir. Alors bien sûr, un jour peut-être. Tous les habitants de ce pays seront régis par le même droit. Mais le chemin sera long, très long, avant d'y parvenir un jour. On ne le voit pas poindre à l'horizon. Et une chose est sûre, on n'y parviendra certainement pas en généralisant un système juridique préexistant. Livré en quelque sorte clé en main, qui, comme par hasard, serait celui du colonisateur historique. Un tel scénario est absolument inconcevable. La nécessité d'un droit propre aux Kanaks, qui sont un peuple distinct, avec son identité, sa culture, ces traditions et ces langues semblent absolument irrécusables dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui. La place de la coutume en milieu kanak n'est pas un sujet de technique juridique à propos duquel on pourrait disserter avec euh, légèreté. C'est une question absolument centrale, c'est une question vitale pour le maintien d'une identité canaque. Pour certains peuples, comme les Français ou les Catalans, l'âme de la nation réside dans la langue. Mais sur le caillou, comme les primo-occupants pratiquent une trentaine de langues vernaculaires, le seul véhicule d'intercommunication est l'idiome du colonisateur. Aucun parler autochtone n'est susceptible de jouer un rôle de fédérateur. Ailleurs dans le monde, ce qui fonde un peuple, c'est l'existence d'une religion distincte. Et on connaît bien le rôle historique et politique qu'a joué l'islam lors du mouvement de libération nationale algérien. Les algériens se sont soulevés contre l'occupation française en mettant en avant leur qualité de musulmans contre une occupation jugée impie. On n'est pas dans ce cas de figure en Nouvelle-Calédonie. On n'est pas du tout dans ce cas de figure parce que la bigarrure confessionnelle est très grande avec quelque 60% de catholiques un peu plus de 35% de protestants, évangélistes, adventistes, baptistes, pentecôtistes, il n'y a pas d'unité religieuse. La nationalité ne peut pas se fonder sur la religion. Ailleurs dans le monde, il est arrivé que certains peuples aient cru pouvoir fonder leur singularité sur le sang et sur la race. C'est notamment le cas du nationalisme allemand, jusque dans, le pre, jusque dans le, à la première moitié du XXe siècle. Eh bien, dans le Pacifique, on n'a jamais eu une idée aussi barbare. Parmi les peuples océaniens, on a conservé la mémoire d'antiques migrations et de brassages de populations qui, en général, on prémunit ces populations contre le racisme aussi bien le substrat de l'identité canaque ne peut pas être la langue ne peut pas être la religion ne peut pas être la race c'est la coutume ou si on préfère la coutume est ce qui rend le canaque différent d'une autre personne il est lié à une terre par un lien imprescriptible. Il fait partie d'une lignée qui était là bien avant sa naissance et qui se continuera après sa disparition physique, ce qui lui donne la certitude qu'il vit une mort que la mort n'atteint pas. Je reprends les mots du, de l'ancien grand chef. De Maré Nidoïch Neslin, qui a prononcé ces mots à l'université de la Nouvelle-Calédonie lors d'un colloque en 2014. Le Kanak est quelqu'un qui a des droits, mais c'est aussi quelqu'un qui a le sentiment d'avoir des obligations. Il vit dans une chaîne dont la valeur dépasse celle de ses maillons, même si bien sûr il n'y a pas de chaîne. Sans maillon aussi bien le respect qui s'attache à la coutume cimente tous les autochtones et c'est pour cela qu'elle occupe parmi eux une place qui est centrale en d'autres termes, la place de la coutume et donc du droit civil coutumier Kanak demeureront dans ce pays quels que soient les scénarios qui dessineront son avenir demain, scénarios dont je ne connais rien, scénarios euh, sur lesquels vous avez beaucoup plus d'informations que moi. Ce que je voudrais indiquer, c'est que l'existence d'un droit civil coutumier kanak perdurera, quels que soient les cas de figure, y compris, bien sûr, en l'hypothèse d'une accession de ce pays, à la pleine souveraineté. C'est ce que montrent les exemples d'États africains, aujourd'hui souverains et respectueux de leurs droits coutumiers, notamment la République d'Afrique du Sud. Le général de Gaulle disait que les colonies sont faites pour être perdues. S'il a raison et que la Nouvelle-Calédonie devient demain le 194e État membre de l'ONU, se posera pour lui la question du droit civil applicable au nouvel État. Plusieurs configurations seraient théoriquement possibles. On pourrait d'abord imaginer qu'un État multiculturel promulgue un petit nombre de règles civiles communes et laisse à chaque population la jouissance de son statut particulier. On peut aussi concevoir un autre scénario qui consisterait à inverser la situation actuelle, qui est caractérisée par la prévalence du statut civil français, dénommé par la Constitution qui nous régit droit commun et l'existence dans un cadre très strict du statut coutumier kanak. L'actuel statut coutumier pourrait alors devenir le statut commun du nouvel état et la question se poserait alors du maintien du pluralisme juridique et d'un statut particulier pour la minorité d'origine européenne. Comment espérer garantir ces droits légitimes si on continue aussi systématiquement à dénier aux Kanaks le droit d'être régi par les principes dans lesquels ils se reconnaissent C'est la raison pour laquelle je défends l'idée d'une égalité des statuts qui n'existe pas à ce jour. Je souhaite, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie française, la consécration du principe d'égalité entre les différents statuts civils. En effet, le pluralisme juridique en vigueur est un pluralisme inégalitaire. Il tend systématiquement à favoriser le droit français dans un but qui est assimilationniste. Le but est de déculturer la population d'origine canaque et l'amener graduellement à être régie par le seul droit français. C'est la raison pour laquelle, dans les rapports juridiques mixtes entre personnes de droit civil français et personnes de droit civil coutumier, le statut français s'applique automatiquement. par voie de conséquence, le mariage entre deux personnes de statut différent relève évidemment du droit civil français et les enfants qui naissent d'un tel mariage sont évidemment par la naissance de droit civil français. cette technique est complétée par des options volontaires qui vont toutes dans le même sens. Options volontaires, oui, mais ces options ne concernent que la population régie par le droit civil coutumier. C'est ainsi que les personnes inscrites à l'état civil coutumier peuvent bénéficier de l'option de succession qui leur permet de voir la succession dont ils vont peut-être bénéficier, régie par le droit français. C'est ainsi également que les ressortissants calédoniens de statut civil coutumier peuvent demander l'option de juridiction, c'est-à-dire la mise à l'écart des règles relatives à la composition de la juridiction de droit commun par des assesseurs coutumiers. Ceci aboutit à laisser aux justiciables le droit exorbitant de choisir la composition de leur tribunal. Mais là encore, la règle ne fonctionne qu'à sens unique, la règle ne joue pas en sens inverse et elle ne peut jamais conduire à récuser le tribunal de droit commun quand le justiciable relève du statut civil français. Aujourd'hui, en première instance, devant le, le tribunal de première instance de Nouméa, les assesseurs coutumiers sont au nombre de deux, avec un juge professionnel. Mais en appel, s'il y a toujours deux assesseurs coutumiers, on dénombre cette fois trois magistrats professionnels. Et puis si l'affaire monte en cassation, il n'y a plus d'assesseurs coutumiers. Et un arrêt aussi important que l'arrêt Wainia en 2000 a été rendu au nom du peuple français dans une affaire coutumière, alors qu'aucun assesseur coutumier ne siégeait, bien sûr, à la Cour de cassation. Enfin, au département de droit de l'université, dans le cursus licence, seul le droit civil français est enseigné de la première à la dernière année. Alors, j'ai dit tout à l'heure, et ça fait honneur à, à l'établissement, j'ai dit tout à l'heure que l'Université de la Nouvelle-Calédonie avait, avait ouvert un diplôme d'université. Euh, cet enseignement est un enseignement euh, qui euh, donne lieu à une diplomation qui est celle de l'université, mais qui ne fait pas partie d'une diplomation nationale. Enfin, je voudrais, je voudrais ajouter que la liberté devrait être reconnue aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie, dont le statut ne peut pas être déterminé unilatéralement par l'État. Et je voudrais souligner que les ressortissants calédoniens doivent pouvoir bénéficier de l'égalité de droit. Une parité complète devrait exister. Entre juges de métier et assesseurs coutumiers, en appel et puis en cassation, si le système ne peut pas être modifié. Je formulerai ici trois propositions de fond, la dernière touchant précisément l'organisation des tribunaux. Les trois propositions que je voudrais faire sont les suivantes. En premier lieu, le droit applicable au rapport juridique entre personnes de statut civil de droit écrit français et personne de statut de droit civil coutumier doit être fixée d'un commun accord. En cas de désaccord, les tribunaux devraient appliquer le statut du défendeur et pas appliquer systématiquement le droit civil français. Le mariage entre personnes de statut différent devrait s'opérer suivant le statut choisi librement par les conjoints et ne pas assujettir systématiquement le mariage au seul droit civil français. Troisième, troisième proposition, en appel comme en cassation, le nombre d'assesseurs coutumiers devait être égal à celui des magistrats de métier et surtout... La loi devrait donner à ses assesseurs un statut public et une rémunération. En conclusion de ce premier volet, je dirais que peu à peu, le droit coutumier s'adapte à la modernité. On l'accuse d'archaïsme. Il travaille à s'adapter à la modernité et il le ferait encore plus vite s'il était possible de diversifier le recrutement des assesseurs coutumiers on y parviendrait aisément en dotant ceci d'un statut véritable et puis aussi en accroissant le nombre des femmes et des jeunes parmi ces assesseurs bref en faisant évoluer une institution qui n'a pas bougé depuis 1990. L'enjeu est de permettre à la coutume de trouver en elle-même les conditions idéales de son adaptation à la modernité, permettre à la coutume de surmonter ses difficultés au lieu de la condamner et de réclamer sans le dire explicitement sa liquidation judiciaire au profit du bon droit, c'est-à-dire le droit français. Au moment où le pays a à sa tête un président indépendantiste et a priori une majorité pour le soutenir au Congrès, on insiste à la métamorphose d'un vieux rêve colonial on voit ressurgir le dessin assimilationniste qui a été réalisé en Polynésie française dès 1945. Il faudrait abandonner l'idée d'un droit coutumier canaque, judiciairement protégé, et doter le pays d'un projet de société indifférencié avec pour colonne vertébrale le droit civil français, le seul, le vrai, l'unique. Pour les missionnaires blancs d'aujourd'hui, il, il serait grand temps. Mais ces missionnaires oublient quelque chose d'essentiel. Ils reprochent aux Kanaks d'être enfermés dans leur ethnicité et ils ne réfléchissent pas un instant qu'ils portent eux-mêmes une vision ethnique. Une vision qui est culturellement située et qui a bien été exprimée par un magistrat professionnel qui a longtemps euh, exercé en Nouvelle-Calédonie, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, c'est le juge Rodriguez. Je vais me permettre de le citer et, et ce sera la conclusion euh, de ce premier volet. Je vais me permettre de le citer textuellement. Donc les mots que je, je vais prononcer ne sont pas les miens, ce sont ceux. Euh, du juge Rodriguez, mais, mais je me retrouve parfaitement dans ceci. Mais attendez, mais qui sommes-nous pour dire ce qui est le meilleur pour les Kanaks Qui sommes-nous, franchement De quel droit est-ce que je vais m'autoriser à dire, vous allez être jugés comme ça ou, ou autrement Non, ils se sont battus depuis des années et ils ont survécu grâce à leur identité et à la préservation de leur identité. La culture a été un moyen de préserver leur identité, de continuer à exister en tant que peuple, alors qu'ailleurs ils sont décimés. Et ça, c'est respectable, c'est tout. Donc moi, je ne veux pas participer au génocide des peuples autochtones. Je suis là dans un processus qui a été initié par l'accord de Nouméa et qui va aboutir à je ne sais quoi. Ce n'est pas mon problème, c'est le leur. Et je ne suis pas inscrit sur les listes spéciales. Je ne suis pas un électeur qui aura à déterminer ce que sera l'avenir du pays. Si certains veulent faire du colonialisme juridique, c'est leur problème. Mais moi, je n'ai pas à dire ce qui est bon pour les kanaks. C'est fini, les missionnaires, là. Voilà le, le, le mot euh, qu'avait eu Daniel, Daniel Rodriguez, et j'ai voulu le reprendre à mon compte. Je vais maintenant aborder le second volet de ma conférence. Le second volet traite de la question suivante, le droit coutumier, un système de droit injustement critiqué. Je voudrais revenir sur les critiques dont il, font, dont il fait l'objet, les énumérer une à une et démontrer leur inexactitude et leur fausseté. En premier lieu, euh, je voudrais euh, citer un certain nombre d'objections politiques, éthiques et même affectives euh, qui sont élevées à l'encontre de la légitimité du droit coutumier kanak. Les anthropologues de l'école métro-calédonisante reprochent aux partisans du statut Kanak de conduire un projet qui est différentialiste, réactionnaire, de nature à diviser le camp indépendantiste, mais aussi de nature à détruire l'idée d'un destin commun entre les Calédoniens. À lire ces anthropologues, ce serait quasiment la plus grande menace qui pèserait aujourd'hui sur ce pays. Leurs différents arguments qui ponctuent le rapport de 2016 peuvent être présentés un à un. D'après eux, d'abord, la charte du peuple Cana, qui a été promulguée en 2014, a montré, aurait montré, je les cite, la question du droit coutumier, portée haut et fort par la Chambre coutumière nationale, c'est-à-dire le Sénat coutumier, s'inscrit dans un projet de société particulier qui vise à l'autonomisation de la sphère politique coutumière. Ce projet entend en effet faire reconnaître la coutume à égalité avec le droit commun, ses valeurs, ses règles, mais aussi ses figures politiques. On le voit clairement, faire reconnaître. La coutume canaque à égalité avec le droit commun, c'est-à-dire le droit français, est perçue comme un scandale. Au passage, la formulation éclaire le mobile implicite, celui qui guide ses auteurs. Ils défendent un projet tendant à l'assimilation juridique complète. Ce projet entend annihiler la coutume et faire passer le droit français comme seul droit commun, quitte à l'affubler euh, de l'étiquette droit civil néo-calédonien, ce qui lui donne une, une apparence océanienne. Et ceux qui s'y opposent, ceux qui mettent en avant leurs différences, sont regardés finalement comme des réactionnaires. Ils sont réputés vouloir non pas préserver une culture, mais restaurer un monde qui n'est plus. Leur but n'est pas la décolonisation du droit, mais la restauration d'un pouvoir coutumier local ayant les moyens d'appliquer son droit sur les terres coutumières. Le plan Marshall, euh, qui a été demandé par le Sénat coutumier en 2016, est présenté comme un outil pour aider les autorités coutumières. À lutter contre les changements en cours, notamment contre l'émancipation des jeunes et l'émancipation des femmes. Institutionnellement, c'est l'idée même d'une instance coutumière qu'ils récusent, car ces anthropologues jugent que la possibilité d'une division du travail de plus en plus marquée, entre ceux qui ont mandat de traiter des questions de société calédonienne dans son ensemble et ceux qui sont exclusivement chargés des affaires familiales et foncières canaques, aboutit inévitablement à conférer le pouvoir au second et finalement à contester aux élus qui siègent au Congrès de la Nouvelle-Calédonie la possibilité de se prononcer sur certaines questions qui seraient par nature exclusivement l'apanage des coutumiers. Ces auteurs ont peur que le droit coutumier ruine les expériences de vie et de normes partagées, déjà depuis longtemps, avec les autres communautés présentes en Nouvelle-Calédonie. Cette crainte donne un. Donne un peu à sourire. Elle donne à sourire parce que ça fait bien longtemps que les canaques ont, ont appris à partager ces expériences de vie et de normes et qu'ils ont fait le, leur miel de tout ce que l'Occident a pu apporter d'utile et hélas aussi d'inutile, comme l'alcoolisme. Les canaques ont. ont ont appris et intériorisé la religion chrétienne venue de l'extérieur. Ils ont également appris et intégré l'usage de la langue française. Mais qu'est-ce que les autres communautés présentes en Nouvelle-Calédonie ont emprunté au Kanak Nonobstant cette évidence, ces auteurs estiment que le projet coutumier est le projet coutumier seul Viserait à détruire le destin commun. Alors, bien sûr, l'accusation hésite sur la base qu'il faut donner à ses reproches. Il y a une certaine oscillation entre les auteurs. Il y a ceux qui, qui discréditent le projet coutumier en disant que c'est un discours qui est porté par des canaques pro-français. Et puis d'autres qui observent que. Le projet coutumier est, est porté euh, par euh, des indépendantistes. Euh, ils accusent alors ceux-ci de vouloir diviser le camp indépendantiste. En somme, les autochtonistes seraient à la fois loyalistes et indépendantistes. Ce n'est pas, pas très cohérent, c'est pas très raisonnable. Alors tel auteur que je ne vais pas nommer ici maintenant, écrit que ce serait surtout... Les Kanak loyalistes qui seraient des défenseurs de la charte, mais le discours bute sur des réalités. Les docteurs en droit d'origine Kanak, euh, comme euh, Léon Wamitan et, et Raphaël Mapou, euh, ne sont pas des militants colonialistes, et euh, euh, le discours euh, prête vraiment à sourire. En d'autres termes, c'est avec incohérence. Que les, les auteurs avancent ce type d'argument J'ajouterais que, sans s'attarder sur ce qu'écrivent ces anthropologues métropolitains, ceci pas plus que moi d'ailleurs, euh, non vocation à, à parler au nom des indépendantistes. Et lorsqu'on regarde ce que disent les indépendantistes, force est de constater que depuis 1982. Que ceux-ci ont toujours soutenu le projet coutumier. Lors de la rédaction d'une constitution pour Kanaki en, 1780, pardon, en 1987, le FLNKS, le FLNKS était soucieux de conserver une certaine représentativité de la coutume, et le débat à cette époque porta essentiellement sur la possibilité de conférer aux coutumiers un pouvoir législatif, mais il ne disait pas sous cette forme, il disait qu'il devait participer à l'élaboration de la loi, participer à l'élaboration de la loi. Le projet constitutionnel CANAC consacrait d'ailleurs ce qu'il appelait les procédures coutumières. Pour contourner la difficulté, euh, les anthropologues, dont, dont je, je récuse les vues, expliquent que les indépendantistes n'osent pas dire publiquement ce qu'ils pensent, ce qui signifie que leurs leaders mentent. Les intéressés apprécieront. Tout ceci éclaire les, les buts poursuivis. Diviser le camp indépendantiste entre défenseurs de la coutume et indépendantistes ralliés au mode civil français. Ce fatras repose sur des réfutations parfaitement infondées quand elles ne sont pas mensongères. En effet, ce discours repose sur des analyses, notamment juridiques, qui sont courtes, polémiques, volontiers obsolètes et parfois complètement fausses. D'après ces auteurs, l'idée de la pérennité d'un statut particulier, après l'abolition du régime de l'indigénat, prendrait racine. Dans un projet différentialiste imaginé par les associations missionnaires dans les années 50. C'est complètement faux. Il n'y a eu aucun projet de ce type en Nouvelle-Calédonie dans les années 50. Ce qu'on a découvert après la Seconde Guerre mondiale, c'est dans ce qu'on appelait alors l'Union française terminologie qui a remplacé l'appellation empire colonial. On a pris conscience que dans l'Union française, il y avait des populations qui ne pouvaient pas être régies par le droit civil français. Par exemple, le Maghreb, qui était de culture et qui est toujours de culture musulmane. Pas question de lui appliquer le droit civil français. Le Vietnam, je vous rappelle qu'à cette époque, L'Indochine est française, elle le restera jusqu'à la défaite de 1954. Et en Indochine, pays à majorité bouddhiste, il n'était pas possible non plus d'appliquer le droit civil français. On a donc appliqué un, un, un droit particulier. C'est dans des conditions parfaitement similaires. Qu'on a consacré l'existence du statut coutumier en 1946, on ne pouvait pas faire autrement. Mais l'idée, qui était celle des dirigeants en place à l'époque, était évidemment d'appliquer le droit civil français partout, partout, là où c'était possible. Et c'est ainsi qu'on l'a appliqué en Polynésie française à partir de 1945. Ces anthropologues partisans excellent à fustiger un discours culturaliste qui serait déconnecté des réalités politiques et sociales du pays. Alors vraiment, là encore, on a envie de sourire. On a envie de sourire parce qu'il est stupéfiant de voir des métropolitains attaquer les, des acteurs calédoniens en les accusant d'être déconnectés des réalités. La thèse du premier docteur en droit Kanak n'est même pas cité une seule fois dans tous leurs travaux. De toute évidence, ces métrofonctionnaires sont comme Joinville dans la brousse en folie, ils croient avoir tout vu, tout lu, ils n'ont rien à apprendre des canaques, qui en fait de coutume sont et resteront toujours les meilleurs sachants. D'après tel auteur euh, anthropologue qui se rattache à cette école, les juridictions civiles coutumières créées en 1982 ne savaient pas alors quel droit coutumier appliquer. Alors, peut-être que les magistrats français qui ont été nommés en 1990 ne savaient pas quel droit ils allaient appliquer. Mais il ne faut pas imaginer un seul instant que les assesseurs coutumiers ignoraient la coutume canaque. Ce n'est pas parce que les Européens ont longtemps ignoré la coutume kanak que celle-ci n'existait pas. Il convient de, de rappeler ce qu'écrivait fort justement Dewey Corode, Les canaks n'ont pas attendu le pasteur Linhart pour analyser leurs coutumes. Vaste est l'ignorance juridique de ces auteurs qui pensent qu'il aurait fallu attendre les années 1960 et plusieurs délibérations de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie pour que soit donné un début de contenu au statut personnel et le texte le plus ancien qu'ils connaissent, parce qu'ils ils ré, ils réagissent en termes de texte écrit, le texte le plus ancien qu'ils connaissent, c'est la délibération du 20 juin 1962. Mais ils oublient une longue série de textes qui sont connus de tous les vrais spécialistes. Ces auteurs parlent du droit, mais le droit est en réalité une discipline qu'ils ignorent. Leurs analyses juridiques sont obsolètes et approximatives, notamment lorsque ces contributeurs relèvent que la jurisprudence comporte des limites tenant au petit nombre de décisions citées entre 20 et 30, à partir de données qui sont notoirement insuffisantes. Alors là encore, on est stupéfait des données insuffisantes, 20 à 30 décisions, là encore, on a envie de sourire, il suffit de se reporter à l'extraordinaire base de données qui a été réalisée par euh, le laboratoire large de l'Université euh, de la Nouvelle-Calédonie à l'instigation du professeur Étienne Cornu, je vous dirais que euh, sur la plateforme euh, qui a été euh, mise, en, mise, en ligne, mise en ligne en 2016, euh, les juristes qui ont travaillé sur ce grand projet, juristes de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, j'insiste, euh, les juristes ont euh, inséré 612 décisions jugées significatives. On voit bien euh, le niveau d'ignorance euh, des auteurs qui traitent de ces questions. Il y a une phrase aussi du rapport de 2016 qui, qui est remarquable, je la cite « Les juristes européens engagés dans l'écriture du droit coutumier ont pu toutefois cautionner des châtiments corporels infligés à des femmes kanak, alifou, par un chef et ses policiers coutumiers parce qu'elles étaient témoins de Jéhovah ». Or, il est évident euh, que la référence à, à cette affaire, absolument regrettable, euh, il, faut, il faut dire que la référence à cette affaire est déplacée. Elle est déplacée parce qu'on parle de droit civil. Et la sanction, la répression, c'est du droit pénal. À l'heure actuelle, il n'y a pas de droit pénal coutumier. Donc, on ne peut pas discréditer le droit civil coutumier en lui opposant un, un pseudo-droit criminel qui n'existe pas. Et d'ailleurs, lorsque le rapport dit qu'il y a des juristes européens qui auraient justifié ces châtiments corporels, euh, je ne vous cacherai pas un seul instant qu'il ne cite aucun nom. C'est normal qu'il ne cite aucun nom parce qu'il n'y a aucun nom à citer. Les auteurs... Euh, dont je fustige les analyses, croit avoir découvert que le droit coutumier canaque est le mal intégral et il sollicite tous les arguments, même les plus, même les plus simplistes. Il s'efforce de se donner, de, pardon, il s'efforce de donner de ce droit en pleine mutation une image figée, caricaturale, enfermée dans un moule Sexiste et patriarcal. Leurs propos se focalisent sur la tension existant entre les intérêts individuels et les intérêts des clans. On sent sa volonté de refonder tout entière la société kanak sur les standards européens. Et bien sûr, le discours mobilise à cet effet le sentiment des lecteurs à propos de situations qui sont douloureuses et qu'il ne faut pas ignorer. La situation douloureuse d'un certain nombre de jeunes filles. Et dans la thèse de 2002, La fabrique du droit coutumier, il y a de très longs développements sur la souffrance. D'une jeune transsexuelle canaque qui déplore le poids de la coutume et espère que vienne une loi, française par définition, pour lui venir enfin en aide. Je la cite. Je cite cette personne. C'est vrai que chez nous, ce n'est pas évident. Des fois, j'en pleure parce que les vieux ne comprennent pas. Ce qui nous bloque, nous, c'est la coutume. La citation éclaire absolument le but de la démonstration, mobiliser l'empathie du lecteur à propos de cas qui sont relativement isolés, mais qui sont des cas douloureux et poignants. Le but, c'est porter atteinte à la coutume, au motif que celle-ci porterait la marque de plusieurs couches de patriarcat traditionnel, colonial, missionnaire, et bien sûr la démanteler et briser tout l'édifice sur lequel... Repose la société kanak. Je ne dirai pas ici que tout est satisfaisant dans l'univers coutumier. Je ne dirai pas que tout est satisfaisant sur le statut de la femme et le sort des minorités sexuelles. Nombreux sont ceux qui pensent dans la communauté kanak que le système a des efforts à faire. Qui aille dans le sens des droits individuels. Mais on soulignera ici trois points euh, qui me semblent essentiels. D'abord, le droit français est très mal placé euh, pour donner des leçons. Le droit français a été longtemps dominé lui-même par des conceptions. Patriarcale et sexiste. Alors, je ne vous parle pas du Moyen-Âge. Je vais vous citer un exemple familial personnel. Ma mère s'est mariée en 1957 et, quand elle a commencé sa carrière professionnelle, elle a dû obtenir l'autorisation de son mari. C'était la loi à cette époque. C'était un système dans lequel le mari était chef de la famille. Et lorsque ma mère a commencé à travailler, elle a eu des salaires, et les salaires ont été versés sur le compte qui était celui de son mari. Parce qu'évidemment, euh, le couple n'avait qu'un seul compte, et le seul compte, c'était celui de l'époux. Voilà où en était le droit français au milieu du XXe siècle. Mais le droit français à évoluer à son rythme, il faut laisser le droit coutumier kanak évoluer à son propre rythme sans lui donner des leçons de l'extérieur. Euh, second point, j'y tiens beaucoup, je le disais à la, à la télévision puisque j'ai été, euh, été interviewé le, 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 pardon, mardi matin, la coutume kanak évolue elle n'a jamais cessé d'évoluer. Il n'y a pas de droit immobile, c'est une illusion de l'esprit. Lorsqu'on consulte les sources qui sont crédibles euh, s'agissant du statut de la femme, on constate une évolution qui est extraordinaire. Lorsqu'on lit les travaux du père Lambert, le père Lambert est un mariste. Euh, qui, a, qui a connu la Nouvelle-Calédonie euh, du Second Empire et, et qui a écrit euh, euh, un, un très bel ouvrage euh, qui a été publié en 1900 et le Père Lambert euh, cite des cas de châtiment mortel de maris sur leurs femmes au motif que celles-ci auraient été oublieuse de leurs devoirs mais le tableau du Père Lambert n'est plus du tout celui du pasteur Linhart 30 ans plus tard. Alors, bien sûr, l'un et l'autre regrettent le peu de latitude laissée aux jeunes dans le choix du mariage, aux garçons, bien sûr, mais, mais également et surtout aux filles, parce qu'à cette époque, dans les années 30 du XXe siècle, les alliances ancestrales primaient par-dessus tout. En 1936, le magistrat Rowe, qui va, qui va euh, publier un petit ouvrage euh, « euh, Les institutions canaques euh, », le magistrat Rowe indique euh, que le consentement euh, des époux n'était pas requis et que euh, la plupart du temps, les unions conjugales étaient nouées dès la pre les premières années de la vie des enfants, et selon lui, je lui laisse la responsabilité, selon lui, la polygamie aurait encore existé en brousse. Rien de ceci n'existe de nos jours. En 1968, l'anthropologue Jean Guillard évoquait le fait que les femmes pouvaient avoir un rôle actif dans les stratégies matrimoniales. Et en 1970, Maurice Lenormand observait que le consentement des conjoints tendait à prévaloir. Beaucoup de, de femmes et de filles kanaks entendent aujourd'hui sortir de toute suggestion. Et c'est dans ce contexte que la charte du peuple kanak a affirmé, je, je cite le texte, le mariage coutumier est aujourd'hui un choix accompli par un homme et une femme, un choix accompli par les intéressés. On ne saurait être plus clair. Et lorsqu'on étudie de près les décisions de justice qui ont été réunies dans la plateforme constituée par le large, lorsqu'on consulte l'ouvrage qui a été rédigé, et publié aux presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie sous la direction d'Étienne Cornu et de Pascal Demier, on relève que dans certains cas, devant les juridictions euh, dont elles euh, relèvent, des femmes demandent la dissolution de l'union conjugale et qu'elles demandent également la garde des enfants voir une pension alimentaire à leur ex-époux, c'est dire à quel point les choses changent dans la société kanak et il faut être absolument aveugle pour ne pas le voir. En troisième lieu, il est clair que chaque système de droit a son endroit et son envers. Chaque système de droit a ses bons côtés. Et ses côtés les plus sombres. Je, je songe à la réponse qui avait été faite par Elie Poigoun aux auteurs de la revue Vacarme en 2013, et je me permets cette fois-ci de citer Elie Je ne défends pas le recours au châtiment corporel. Comme je le suppose, vous ne défendez pas les atteintes quotidiennes au droit et à la dignité des personnes perpétrés dans les prisons françaises. Il est clair que le système français ne peut pas s'enorgueillir de son système pénitentiaire et continuer à penser que celui-ci répond aux fins qui lui sont normalement assignées. Mais on ne va pas condamner pour autant le droit français. Il faut avoir la même honnêteté lorsqu'on considère le droit civil coutumier et ne pas chercher à occulter ses meilleurs aspects en mettant en évidence sous le projecteur ce qui peut paraître difficilement acceptable. En guise de conclusion, je dirais que les commentaires de ces anthropologues ne reposent pas sur une vision objective. Leurs analyses reposent sur une vision. Politique, qui est une vision biaisée. Pour eux, la reconnaissance du statut coutumier ayant été faite à l'époque coloniale, le processus de décolonisation aurait dû logiquement conduire à l'abandon des us et coutumes canaques pour un droit moderne, commun, au Kanak et au non-Kanak. Alors, ce raisonnement, encore une fois, ignore complètement la réalité des pays nouvellement émancipés d'Afrique qui très souvent, très souvent, du Cameroun à l'Afrique du Sud, ont conservé euh, leurs droits coutumiers. D'après euh, ces auteurs, le droit coutumier aurait dû disparaître. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui que la lutte contre l'alcoolisme serait un mot d'ordre colonial parce que sous le régime de l'indigénat, les Mélanésiens n'étaient pas autorisés à consommer de l'alcool. Ce n'est pas très sérieux, c'est un sophisme. Et d'ailleurs, là où l'assimilation juridique s'est faite, celle-ci n'a pas donné d'excellents résultats, je pense à Tahiti, où les problèmes de succession foncière sont une plaie pour le territoire. Je pense aux Antilles et à la Réunion, qui sont devenus des départements d'outre-mer français, ce qui est loin d'avoir résolu les problèmes des insulaires. Et un pays comme le Sénégal, qui est un des, des rares pays d'Afrique. À avoir aboli et le droit coutumier et les juridictions coutumières, le Sénégal rencontre d'énormes difficultés qui s'expliquent par le fossé insurmontable qui existe entre les textes, qui sont souvent des textes inspirés du droit français, et la réalité africaine. En d'autres termes, ces auteurs qui fustigent le droit canak. Prétendre vrai à la décolonisation, mais en réalité, ils travaillent à la recolonisation des esprits. Leur discours caricature les idées canaques. On veut imposer l'idée d'un système qui n'a jamais changé et ne devrait jamais changer. C'est quelque chose d'absolument faux. Ainsi que le disait le grand chef Nidoïch Neslin, notre statut a un sens. Il faut simplement le faire évoluer, notamment pour que les choses avancent en faveur des femmes kanak. Car il n'est pas imaginable de figer ces solutions. La coutume kanak, ce n'est pas la charia des musulmans. La coutume kanak a toujours évolué et elle évoluera encore. La doctrine de ces auteurs métropolitains est une réaction de rejet contre ces Kanaks qui cherchent leur voie sans suivre docilement le droit civil français. Celui-ci ne peut pas être la voie. Il faut que les Kanaks trouvent la leur et pour cela il faut leur en laisser la possibilité. Il n'y a pas d'alternative au maintien du droit civil coutumier Kanak dans la société qui est la nôtre, mais la voie à suivre, c'est celle de son perfectionnement interne. C'est la raison pour laquelle je réclame sa défense et sa promotion à l'université et devant les tribunaux. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre bienveillante attention et je serai heureux de pouvoir répondre à vos questions. Merci, et bonsoir. Donc, moi, je suis praticienne de droit, je suis juriste à la cour d'appel de Nouméa, arrivée récemment depuis un an seulement. Et donc, ce que je voudrais savoir, d'abord, une observation c'est que la difficulté majeure pour un, pour un magistrat qui vient de, de métropole, c'est d'abord un problème de formation c'est qu'on n'a absolument aucune formation sur. Le droit coutumier. Donc, euh, on arrive en juridiction avec euh, heureusement des aînés qui sont là depuis plus longtemps, qui nous guident, qui nous accompagnent. Mais euh, encore aujourd'hui, euh, moi, ma question majeure, c'est de savoir où puis-je trouver, où puis-je trouver, en dehors de votre précis que vous avez écrit et que, dans, euh, que je consulte régulièrement, où puis-je trouver. Le devenir de la coutume, parce que on, on, on comprend bien qu'il y a des systèmes qui se mettent en place et, et, en place et qui se dupliquent d'une ère coutumière à une autre, on l'a vite saisi. Mais en vérité, on ne sait pas trop comment ça évolue. Et quand vous parliez d'évolution tout à l'heure, moi j'ai le sentiment que ce qui a fait évoluer la coutume, c'est précisément la produ nos productions judiciaires. Parce que bien souvent, on a des questions qui nous sont posées auxquelles, on a, auxquelles la coutume n'a pas de réponse. Parce que la situation, elle n'était pas connue. Et donc, même quand on se retourne vers les vers les assesseurs coutumiers, ils n'en savent pas davantage. Et ils nous laissent un peu. On a un peu ce sentiment souvent sur le flanc. Nous, magistrats professionnels. Je voilà. vous remercie, Madame. Euh, là, je suis en situation comme au tennis. J'espérais renvoyer la balle et vous m'avez tellement envoyé de balles que vraiment je ne sais plus euh, euh, par où commencer. Alors, c'est vrai, euh, il y a le problème de la formation des magistrats qui a été surmonté euh, pendant euh, quasiment euh, une vingtaine d'années par la présence de trois magistrats de métier qui ont joué un rôle euh, tout à fait remarquable dans l'émergence de cette jurisprudence. Et ce sont des magistrats qui se sont passionnés pour cette matière, pour cette cause. Parmi ceux-ci, j'ai cité le juge Rodriguez. Hein. Et euh, effectivement, le problème de la documentation pour ceux-ci ne s'est pas posé. Et puis, il y a eu un renouvellement qui était normal avec l'arrivée de nouveaux magistrats qui, évidemment, n'ont reçu aucune formation en métropole. Ça, ça c'est le système français. On peut, on peut espérer qu'il évolue, mais bon, on peut aussi avoir bien des réserves. Pour essayer de répondre à votre question, je voudrais euh, dire qu'il faudrait impérativement renforcer la collaboration entre le palais et l'université. Euh, il y a entre l'université de la Nouvelle-Calédonie et, et les juridictions. Euh, des moyens euh, de travailler étroitement ensemble et de répondre aux besoins de chacun. Vos besoins, c'est un besoin d'information juridique. Alors, il y a à l'université une collègue qui, qui, qui dirige euh, le diplôme d'université. Euh, de droit coutumier CANA, qui est présente dans l'assistance d'ailleurs, et je, je, je l'en remercie. Euh, elle pourrait parfaitement voir avec vous ce qui pourrait être mis en place en termes de formation professionnelle, sachant que les, les universitaires sont eux-mêmes très avides d'avoir connaissance des décisions et des arrêts qui sont rendus sur les questions coutumières. Moi qui vous parle. J'ai une information à peu près parfaite sur la jurisprudence jusqu'en 2016, parce que je bénéficie de la plateforme qui a été réalisée par Le Large et qui a été mise en ligne par Étienne Cornu, mais je ne connais pratiquement pas d'arrêt qui soit postérieur à 2018. Je suis en grande difficulté, lorsque j'ai dispensé mes enseignements, de donner des exemples récents, ignorant les décisions et arrêts qui sont rendus aujourd'hui par les juridictions. Alors, il me semble que la réponse, la réponse à, à la question est de mettre en place rapidement un partenariat entre l'université et les juridictions. Les uns et les autres ont tout à gagner. Et en ce qui concerne les manuels, aujourd'hui, euh, outre le mien, il y a évidemment celui euh, la coutume, le, le droit coutumier Canac euh, d'Étienne Cornu de Pascal Demier. Mais c'est vrai, euh, euh, ces ouvrages commencent à dater. Et puis, vous avez dit tout à l'heure, à fort juste titre, que très souvent, on n'a pas la solution. On n'a pas la solution parce que ça ne s'est jamais posé. Il est bien évident que les problèmes d'homosexualité, de transsexualisme étaient ignorés de la société traditionnelle. Euh, il faut euh, que, euh, avec les assesseurs coutumiers, euh, se produise une concertation, en un échange pour faire émerger une solution qui fasse consensus. Alors je vous rassure, la solution, euh, vous la trouverez pas dans mes livres. Ils, ils, ils offrent, j'espère, un Guide pour entrer dans la discipline, mais ensuite les solutions restent à trouver. Oui, je vous en prie. Oui, à la suite de ce qu'elle a dit, cette charmante dame, euh, moi en tant que calédonienne, je m'intéresse aux, aux droits coutumiers et je tiens à souligner, souligner que c'est pas seulement l'affaire du tribunal. Et de l'université, c'est aussi l'affaire des Calédoniens, euh, toutes euh, cultures confondues, qui voudraient apprendre le droit coutumier et qui doivent payer très cher pour le faire. Donc, au tribunal, vous, vous avez des cours qui sont dispensés. Nous, on se débrouille tout seul, on lit les livres, on va à l'université, on paye les cours et ça coûte très, très cher. Donc, euh, ça serait bien que ce soit à la portée de tout le monde. Pour qu'on puisse l'apprendre. Et puis, bon, ben je comprends que certains arrêts sont confidentiels, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une espèce de, comment on dit ça, libération. Euh, des choses pour que pour que la connaissance puisse se faire, c'est comme quand Charlemagne, il envoyait les les enfants à l'école. À un moment donné, on va pas bloquer le fait d'apprendre parce que euh, parce que c'est délicat de dire des choses quoi. Je comprends, des fois on peut faire des bêtises quand on parle, mais au moins on a fait l'effort d'apprendre. Et en Calédonie, euh, ben on doit beaucoup apprendre dans les livres et dans le vécu. Et, et, et le vécu, il ben, n'y a pas forcément des livres. Et l'enseignement, il n'est pas toujours là. C'est un travail personnel à faire et tout ne peut pas être écrit dans un livre. Voilà. Merci. Absolument. Je, 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 trouve, je trouve très belle cette idée que vous venez de formuler. La connaissance du droit coutumier canac, c'est quelque chose qui concerne. Tous les habitants de ce pays, tous les habitants de ce pays, c'est pas une matière euh, ethnique. C'est pas quelque chose qui ne concerne que les Kanaks. Ça concerne tous ceux qui euh, aspirent à former euh, une communauté de destin. On peut, on peut pas forger une communauté de destin en ignorant l'autre. Et je ne peux qu'approuver qu ce que vous avez dit, Madame. C'est vrai, on, on en avait parlé euh, avec les étudiants du, du diplôme de droit coutumier. Il y avait l'obstacle de, de la cherté de la formation qui était une réelle difficulté. Oui. Euh, bonsoir, j'avais une question. Donc euh, oui bonsoir ici par là euh... excusez-moi je suis ébloui par les projecteurs alors j'ai un peu de mal à, à voir qui me parle veuillez m'excuser madame je oui. regardais complètement à l'opposé oui, c'est pas grave euh, donc bonsoir euh, je suis originaire de l'île de Marais, du district de Guam. Euh, jeune Kanak aussi qui s'intéresse euh, à ce type de débat, merci pour votre conférence. Ça nous apporte aussi euh, beaucoup d'espoir sur l'avenir du droit coutumier Kanak étant donné euh, qu'on qu ne peut pas ignorer notre identité. C'est un choix divin. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas. En tous les cas, euh, j'ai bien écouté avec beaucoup de d'attention, votre conférence. Euh, en tant que jeune Kanak, je me rends compte que le droit coutumier Kanak est euh, aujourd'hui encore lésé euh, par rapport euh, au droit euh, civil français. Et euh, on se rend compte aussi que euh, ce, cette, ce droit coutumier Kanak, il est lésé par rapport à beaucoup d'ignorance, par rapport à beaucoup de préjugés par rapport à une compréhension collective qui a besoin d'être rehaussée. Et euh, aussi, je me posais aussi la question comment l'appréciation collective de cette identité kanak, euh, qui, est aussi, euh, qui, qui a aussi un lien avec le droit coutumier kanak, comment cette appréciation collective, elle peut être rehaussée à tous les niveaux. Euh, à l'échelle des familles, même les familles canaques, hein, à l'échelle des familles canaques, à l'échelle euh, euh, des, euh, des différentes populations qui vivent sur ce territoire, parce qu'on est quand même appelé à vivre euh, tous ensemble sans vouloir euh, euh, mettre qui que ce soit dehors. Comment cette appréciation de l'identité canaque elle peut aussi être rehaussée euh, à l'échelle des institutions et quel rôle nos institutions peuvent jouer dans cette, dans ce, cette élévation de cette appréciation de l'identité kanak pour pouvoir euh, euh, donner un avenir, un avenir prometteur euh, à des jeunes comme nous euh, qui n'avons pas choisi d'être kanak, mais qui apprécient notre identité et qui voulons vivre cette identité avec tous sur ce territoire euh, qui est très riche culturellement. Voilà, merci. Je vous remercie Madame. Je n'ai pas les capacités de répondre à toutes les interrogations qui viennent d'être soulevées. Je ne suis qu'un juriste qui ne peut euh, que vous dire ce qui existe et qui n'est pas en capacité euh, d'expliquer ici tout ce qui peut être fait dans les esprits et, et, et dans les cœurs pour revaloriser cet héritage auquel vous êtes attaché viscéralement. Euh, moi, ce que je peux vous dire, et je crois que le courant est passé, ce que je peux vous dire, c'est euh, un message optimiste. Vous n'êtes pas enfermé dans votre identité et voué à, à une servitude euh, par droit de naissance. Le droit coutumier évolue. Et à terme, il sera ce que vous voulez qu'il soit. Je répète, à terme, il sera ce que vous voulez qu'il soit, parce qu'un renouvellement de génération s'opérera et la société kanak euh, qui se transforme aujourd'hui prendra euh, des aspects tout à fait différents. Je vais vous livrerai un exemple personnel. La première année où je suis venu à l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'était en 1992. Et j'allais faire cours, il devait être 18h, et la télé arrive pour un reportage. Et euh, le journaliste voulait interviewer une étudiante canaque. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas en droit, en première année. Euh, non, c'était en troisième année que j'intervenais, en 1992. Aucune étudiante. Allez voir l'université aujourd'hui, euh, il y a sans doute plus d'étudiantes que d'étudiants comment imaginer que ces jeunes femmes instruites puissent s'accommoder des règles qu'ont acceptées leurs mères et leurs grand-mères c'est pas imaginable c'est pas imaginable la situation va évoluer mais il y a des, des lenteurs à l'histoire on ne peut pas transformer les mentalités en 20 ans, c'est pas possible. Il faut, il faut du temps. Mais vous êtes jeune, vous allez voir des transformations formidables, j'en ai la conviction. Oui, bonjour. J'ai quelques remarques et, et, et une question ou deux après. Alors, la première remarque, c'est que je suis venu ici presque pour vous emmerder. J'explique je, je, pourquoi. Quand j'ai vu le titre et ce point d'interrogation, je me suis dit, aïe, 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 on le voit venir avec ses gros sabots. J'avais à peine entendu parler de vous, parce que moi, je ne suis pas du tout juriste, je suis économiste. Enfin, j'essaye d'être économiste de métier, quoi. Donc, je vous ai déjà tout dit sur ma réaction et, évidemment... Je n'avais rien compris avant de vous voir. Et maintenant, après vous avoir vu et vous avoir entendu, je vous félicite vraiment de votre conception. Mais si vous pouviez enlever un jour ou l'autre ce point d'interrogation, ce serait pas mal. Alors, pourquoi je dis ça C'est que, étant économiste, j'ai fait un bouquin en 2018 qui n'a pas eu un grand succès. Il y en a un exemplaire ici, sauf s'il a été volé, qui s'appelait Kanaki Nouvelle-Calédonie indépendante. Point d'interrogation. Je suis en train de le refaire et je vais enlever ce putain de point d'interrogation parce que beaucoup de gens m'ont dit, des amis indépendantistes, j'ai des amis indépendantistes loyalistes, j'ai surtout des amis indépendantistes, il faut bien dire les choses comme elles sont, me disent, mais pourquoi t'as foutu un point d'interrogation Donc, mais vous faites ce que vous voulez. Hein mais moi, je l'enlèverai. Bon, la deuxième remarque, euh, j'aimerais, mais vous... Vous allez me le dire peut-être si vous voulez bien en privé, connaître les gens dont vous parlez, dont je n'ai jamais entendu parler, mais je ne suis pas juriste. Par contre, j'ai entendu parler d'archéologues qui ont exactement le même point de vue raciste, je ne vais pas dire de gros mots, enfin vraiment bon, je pense que tout le monde m'a compris, qui consiste à dire comment voulez-vous que les Lapita, avant les Kanaks, soit des canaques, puisque les canaques, bah, ils sont pas très intelligents, alors que les Lapita le sont beaucoup. Alors je fais référence, j'habite dans cette rue, et ça fait pas longtemps que je le sais. J'habite rue Marius Archambault. Marius Archambault, c'est quelqu'un qui serait maintenant à l'OPT. C'est un brave archéologue euh, amateur. Et qui a dit des horreurs sur les canaques, sur les pétroglyphes, etc. etc. Donc, c'est exactement la même veine que ce que vous racontiez tout à l'heure euh, sur les juristes. Parce que, si j'ai bien compris, ce sont des juristes, les gens dont vous parlez. Sur non, un... ce sont su... des anthropologues. Ah, d'accord. Euh, okay. J'ai publié le, à peu près le, le texte de ma conférence dans la revue juridique. Euh, politique et économique de la Nouvelle-Calédonie. Et euh, dans le texte, je cite nommément les auteurs. Hein. Eh ben, C'est parfait. Voilà, je les cite tous nommément, donc ils, ils pourront me lire et ils, ils pourront réagir. Mais là, devant vous, je, non, trouvais, non, mais je, comprends. je trouvais tout à fait oui. inconvenant de citer des gens qui sont absents. Voilà. Maintenant. Mais ce sont principalement des anthropologues qui sont tous en... En poste dans, dans des laboratoires français quant à quant à ce que vous avez dit au début je voulais avec mon point d'interrogation ouvrir le débat mais je comprends euh, après vous avoir entendu euh, qu'il y avait une possibilité euh, d'entendre les choses de façon très différente effectivement écoutez je suis heureux que vous soyez venu et que euh, ce sentiment de malaise que vous avez ressenti en voyant le titre ait pu être dissipé spontanément par mon intervention. Sans aucun problème. J'ai encore, si vous voulez, vous encore deux petites questions liées un peu à, à ce malaise que j'avais. Euh, que pensez-vous des comment dire, des loyalistes un peu radicaux Je ne les citerai pas non plus, mais tout le monde les reconnaîtra. Qui disent sur le droit coutumier ils s'en foutent du droit coutumier, mais c'est exactement la même veine. Bah, par exemple, la draphe. Alors, Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire la drafte mais enfin, c'est un truc qui, fondamentalement, a tenté de redonner la terre euh, spoliée aux Kanaks. Et il est marqué moire sur blanc dans leur programme. J'espère qu'il y a peut-être des gens ici qui vont défendre ce programme, comme ça on pourra avoir un débat. Bah, que la drafte c'est fini. C'est fini de, de redonner la terre à ces Kanaks. C'est terminé. Deuxièmement, et là, c'est pour les gens d'ici, quoi, de, 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 de ce centre culturel. Il est également demandé que le centre culturel de culture kanak, je ne sais pas comment trop qu'il s'appelle, mais enfin, il y a kanak dedans, s'appelle maintenant pareil, mais avec calédonien plutôt que kanak. Que pensez-vous de ces deux points de vue J'espère que je sais ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de vous répondre en restant prudent. Quand je dis rester prudent, euh, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est une forme de lâcheté, mais je dis rester prudent parce que je ne suis pas, euh, je ne suis pas euh, calédonien, je suis quelqu'un qui est de passage, euh, je ne veux pas donner euh, des leçons aux uns et aux autres, ce qui serait, à mon avis, parfaitement ridicule. Donc, je, je n'ai jamais, pendant toutes les années où je suis venu en Nouvelle-Calédonie, je, je n'ai jamais pris position sur la question centrale que vous savez, parce que ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas à moi de me prononcer, c'est à vous. Hein. Bon, ces, remarques faites, ces remarques faites, il est évident que la question euh, des terres est, est une question qui, euh, qui euh, n'est pas complètement réglée. Elle n'est pas complètement réglée. Il suffit de, de lire ce qu'écrivent les juristes. Hein. Alors, il y a un juriste canadien qui a, qui a beaucoup écrit sur ces questions. Euh, C'est Gislain Otis Et euh, je sais que le centre culturel a fait une petite vitrine là que vous avez dû passer devant la vitrine et qui avait quelques ouvrages qui étaient présentés. Et il y a l'ouvrage de Gislain Otis, Je, je l'ai vu en entrant, euh, qui était référencé. Euh, la L'ADRAF a fait un, un, un travail formidable, mais euh, euh, ce, ce travail n'est pas terminé. C'est tout à fait clair. Hein. Et ensuite, votre, veuillez m'excuser, votre, votre seconde question, je n'y ai pas répondu. C'était simplement que le fonds le culturel de le Kanak, je suis qu'on les là, il y en a qui proposent qu'on enlève Kanak et qu'on mette le Calédonien. Non, euh, l'originalité de cet endroit, c'est d'être tout entier voué à la culture et à l'identité kanak, c'est, de mon point de vue, parfaitement nuisible, contre-productif et de nature à susciter infiniment d'amertume chez les kanaks. Mais peut-être que le but, c'est précisément celui-là. Mais bon, je vous avoue que je n'ai pas tellement envie de, de, de plonger dans la, la, votre politique locale euh, J'ai déjà la mienne hein, euh, chez moi euh, qui est parfois peu ragoûtante, euh, donc euh, je, je resterai, j'en resterai là si vous me le permettez. Bonsoir, monsieur le Je suis euh, une mère, une grand-mère canaque et. Je veux euh, vous remercier puisque vous êtes titulaire d'un des diplômes éminents de l'éducation française nationale. Vous êtes agrégé et merci de la conférence que vous venez de faire. Simplement, euh, d'abord, euh, je ne suis pas conférencière comme vous, mais je dis déjà ce que je pense euh, de. Dans, dans une analyse générale, tant qu'il y aura des canaques en Nouvelle-Calédonie, le droit civil, coutumier, il sera toujours là et il évoluera. D'une part, et je voudrais aussi vous dire si c'est dans votre. Compétence de pouvoir interférer auprès du gouvernement français, de pouvoir dire, de faire de ce qui est en son pouvoir, de rendre une certaine parité sur le droit civil, sur le statut de droit civil, de droit commun et le droit coutumier. La question que je voulais vous poser comment euh, faire pour que les magistrats qui arrivent de métropole puissent faire un stage euh, séjour en tribu pour qu'ils puissent euh, être euh, plongés dans le terrain de l'espace coutumier pour prendre conscience dans les euh, les jugements qu'ils vont rendre du droit coutumier. Merci, Monsieur Lucas. Je vous en... je vous en prie, Madame. Je crois que nous partageons parfaitement le même sentiment. Le droit CANAC est euh attaché à l'identité kanak et il n'est pas imaginable de chercher à les séparer c'est inutile c'est inutile et tant qu'il y aura des kanaks et je vois pas pourquoi il y en aurait plus d'ailleurs leur attachement leur attachement à ce système est certain les questions que vous soulevez sont sont autrement plus complexes alors je ne puis que que vous dire euh, d'abord, que euh, ce que j'écris, c'est bien sûr à destination euh, du, du public calédonien. Mais, mais ce livre, ce livre, a trouvé un premier éditeur à aix-marseille et euh, le but était de faire connaître le droit kanak en france. Euh, je fais un cours de première année sur l'histoire euh, de la personne et de la famille. Je consacre 15 jours au droit coutumier kanak de Nouvelle-Calédonie, 15 jours de l'année tous mes étudiants français connaissent les rudiments de l'organisation familiale kanak. La première année, euh, j'ai compris que c'était moyennement crédible et euh, qu'ils pensaient que ça tomberait jamais à l'examen, je les fait tomber à l'examen. Et, et, et depuis, euh, euh, ils font parfaitement attention à, à ces questions. Alors, que faudrait-il faire pour les magistrats Ça, c'est une question euh, délicate, hein mais il est clair euh, qu'il me paraît absolument impensable d'arriver ici sans pouvoir bénéficier. D'une structure de formation. Alors, je ne sais pas si on va envoyer les magistrats en tribu. J'ai euh, senti que votre proposition euh, euh, ne faisait pas l'unanimité absolue. Mais après avoir entendu la première intervenante, il est clair qu'il faut une structure de formation. Et à mon avis, la meilleure formule, ça serait de la prévoir à l'université. Ça, je pense qu'il faut un partenariat. Qui voit le jour en 2024 entre les juridictions et l'université de la Nouvelle-Calédonie. Je, je vous promets d'en parler. Je pense que je ne serai pas seul. Hein, je vous promets d'en parler à la présidente de l'université. Et s'agissant de ce que je fais en France, je vous assure que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire connaître la cause des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, auxquels je suis très attaché sentimentalement. Oui, euh, moi je quitte mon habit de juriste et, et je viens là euh, comme une citoyenne avec euh, des positions politiques aussi. Et euh, donc euh, je ne partage pas totalement votre point de vue quand vous as, quand vous assimilez en fait quand vous faites asseoir un système juridique sur une identité. Parce que pour moi qui suis plutôt marxiste, c'est pas une identité qui fonde le droit. C'est le droit n'est qu'une euh, Qu'une construction sociale qui a été euh, assise sur des infrastructures, sur des systèmes économiques avant tout. Enfin, J'ai cette vision-là, et je me dis donc que c'est pas naturellement par la patience qu'on envoie aux, aux jeunes d'ici de dire :« Mais soyez patients, ça va évoluer les choses comme ça. » Non, les choses elles n'évoluent pas comme ça. Elles évoluent que si. Des événements se précipitent dans l'histoire pour les faire avancer. Donc voilà, c'était. Bon, après, bien sûr, je suis prête pour aller en tribu, s'il faut apprendre le droit en tribu. Hein. Ce que vous dites est, est tout à fait intéressant, mais je vous avoue que je suis de notre avis. Vous ne pouvez pas expliquer aux Kanaks ici présents que leur attachement à la coutume, c'est une superstructure. Non, c'est pas possible. C'est leur âme. C'est leur âme. Ils le ressentent ainsi. Alors peut-être qu'ils ont tort, mais peu importe. La vérité est ce qu'ils ressentent. C'est cet attachement que vous ne pouvez que vous pouvez critiquer de l'extérieur, mais que vous ne pouvez pas démonter. Ensuite, le, le second point, euh, vous me dites que les choses ne changeront pas spontanément. Je ne je suis, suis pas en désaccord avec vous sur ce point. Hein. Je pense que les choses évolueront, pas parce que tout se passe toujours dans le meilleur des mondes, mais parce qu'il est évident que les jeunes kanaks que j'ai rencontrés ont des conceptions qui sont les conceptions de leur génération. Et ce sera leur conception qui prévaudront nécessairement lorsqu'ils seront adultes et lorsqu'ils seront eux-mêmes des vieux. Ça, ça me paraît absolument inévitable. Et euh, l'idée que les choses puissent se faire sans heurte euh, n'est pas la mienne. Il, il est clair que euh, les choses évoluent en posant des difficultés. et euh, la, question de, euh, la question que j'ai que mentionnée est de cette nature, la question de euh, l'homosexualité, du transsexualisme, ce sont des questions très douloureuses. Elles, elles nourrissent des oppositions. Elles seront résolues, mais elles seront pas résolues euh, sans difficulté. Euh, vous et moi, sur ce point, je crois que nous sommes d'accord. Euh, bonsoir, monsieur Leca. Moi, la question, c'est vous avez évoqué que le droit coutumier Kanak, euh, il doit être judiciairement protégé. C'est pour cela que vous, vous appuyez sur les décisions des jurisprudences des tribunaux. Les institutions coutumières Kanak, quand vous allez sur le journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, ont produit une, plus de 500 textes, Dans certaines qui sont sur des faits de société. Euh, à l'exemple de la crémation, le don d'organes. Ces textes-là, avant d'aller au journal officiel, sont soumis au contrôle de l'égalité. Donc, si je suis, ils <laughs> doivent être, sinon, judiciairement protégés. Euh, la dame qui évoque tout à l'heure le, le droit à la classe on n'entend jamais des avocats utiliser ces textes-là. On n'a aucune décision qui s'appuie. On a des décisions qui reprennent la charte du peuple kanak, mais sur ces textes-là, parce qu'il y a des textes qui concernent, par exemple, la protection des savoirs traditionnels, on a des textes sur le foncier. Et c est, c est, c est, moi, je vous pose la question, c'est du fait qu'ils sont soumis au contrôle de l'égalité et publiés au journal officiel, est-ce qu'ils sont judiciairement protégés C'est la question. La question que vous posez est, à mon avis, principalement politique. Effectivement, tout ce que vous avez dit est exact, et j'avais, en vous écoutant, un exemple concret qui est celui des différents avis rendus par le Sénat coutumier en ce qui concerne les successions coutumières canaques. On a pas mal de textes, je, il y en a, je crois, trois, si ma mémoire est bonne, trois textes différents sur les successions coutumières. Aucun de ces textes n'a été retenu par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et lorsqu'il y a eu une loi de pays sur les successions coutumières, le texte s'est fait en écartant assez largement les options qui se dessinaient dans les textes d'origine sénatoriale. En disant cela, je ne porte aucun jugement de valeur, je veux simplement dire que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a refusé de suivre la ligne qui était proposée par le Sénat coutumier. Mais cela, c'est un choix politique, ce n'est pas une question juridique. Et il est évident... Que ces textes auxquels vous faites référence, euh, s'ils ne deviennent pas une loi de pays, une délibération, n'ont aucune chance d'être judiciairement protégés, aucune chance d'être ju judiciairement consacrés. Dans le système actuel, il faut passer par le truchement d'une loi de pays qui suppose une majorité. Et la loi de pays, je, je m'en souviens très bien, parce qu'on avait discuté avec les étudiants euh, de cette question à propos des successions, s'écarte de façon très significative de ce qu'avait souhaité le Sénat coutumier, qui dans le, le système actuel rend simplement des avis. Oui, bonsoir. Euh, respect et humilité. Euh, merci pour votre exposé. Parce que venant d'un juriste et puis d'un... de quelqu'un qui est à l'université, qui vient et qui a des expériences, euh, votre parole serait plus crédible, plus acceptable que si ça venait d'un citoyen lambda. Donc merci pour aussi vos, votre éclairage. Et moi, j'ai quelques observations à, à donner sur la question de, de cette nécessité d'asseoir une, une formation à l'université et ouvrir, une, pourquoi pas, une filière. Je crois qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans d'accord, il est pour moi euh, inconcevable que qu'on qu n'est pas à l'Université de Nouvelle-Calédonie une, une filière qui, qui était ouverte au sein du département euh, d'études de, de droit, d'enseignement du droit, euh, depuis tout ce temps qui s'est déroulé depuis 1988 jusqu'à aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on est confronté dans la société CANAC, notamment dans les îles Loyauté, qui a 99, euh, euh, composé de, de canaques et puis des terres coutumières, des euh, terres de réserve, on va dire. Euh, cette nécessité aussi de dialoguer avec les, les instances judiciaires, euh, que ce soit le tribunal de première instance, euh, que ce soit le tribunal pour, le, pour les affaires familiales, mais aussi le tribunal du commerce, etc., etc., Quoi qu'il y a cette nécessité de continuer à dialoguer. C'est dans ce sens-là que je vais, je, vais, je, vais, je vais faire mes observations. Parce qu'il a fallu quand même gérer des situations difficiles auxquelles on s'est rendu compte que nos autorités coutumières étaient aussi parfois démunies à des situations qui ont évolué situations qui ont été vécues de, parce qu'on est commun dans un phénomène de mondialisation, hein, euh, nous, nous, notre, la société kanak, même si Jean-Marie Thibault le dit que notre identité est devant nous, le retour en arrière est un mythe, mais ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, et ça veut dire qu'il faut construire le contenu. Et moi, je vois, euh, par exemple, pour les affaires qu'il y a eu à Calédonie et, et, autres, et autres, il a fallu le dialogue permanent entre les autorités coutumières. Les, les, le magistrat qui est placé là-bas, les forces de gendarmerie, pour trouver des solutions. Et ça, je pense que c'est en travaillant de concert, euh, en se jetant des passerelles, parce que pour, pour répondre à des, 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 des problèmes de droit, euh, d'incivilité ou des, des problèmes de rapports sociaux qui, qui se manifestent par des, par des délits, par... Donc, je, il, il, faut, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Et les instances coutumières ont des réponses à amener aux autorités politiques et publiques de ce pays, mais ils n'ont pas les moyens. N'ont pas les moyens. Ça, c'est un gros problème. Et je comprends tout à fait les, les, les doléances de au niveau du sénat coutumier et aussi au niveau d'autres instances vous évoquez tout à l'heure le peu de compétences et d'attributions reconnues au sénat coutumier notamment qu'il faut passer des textes parce qu'ils n'ont qu'une simple avis et j'espère que dans le futur statut on va leur donner plus de pouvoir je pense que on ne peut pas dire que les kanaks sont un peu plus de 40% un peu plus de 40% de représentants à l'intérieur de la population calédonienne et que on est on est encore si peu représenté dans le milieu universitaire, dans le milieu économique, dans le donc ça c'est la résultante, c'est la résultante des rapports sociaux et économiques, moi je veux dire de domination entre guillemets, parce que euh, si nous aujourd'hui nous existons encore avec nos structures coutumières, parce que nous avons nous avons eu cette phase de à un moment donné où on a, on a voulu moi, je... Génocide, peut-être que c'est un, un gros mot, mais on a quand même euh, essayé d'éteindre le peuple kanak, et nous on s'est adapté. Et dans les années 1920, ensuite on nous avons vécu le, le, la période de l'indigénat, et si aujourd'hui, euh, grâce aussi peut-être. Sûrement au général de Gaulle, après que les Kanaks aient participé à la Deuxième Guerre mondiale, on est arrivé à donner le droit de vote aux Kanaks, en même temps que le droit de vote aux femmes françaises. Donc, et ensuite, on a construit les. Si les Kanaks aujourd'hui sont arrivés à, à, à obtenir les deux accords, parce que c'est quand même une dynamique que les Kanaks ont, ont souhaité, pour éviter de disparaître de, de, dans ce pays, il y a une posture que, nous nous avons été acculés, mais nous avons aussi dépassé. Euh, C'est ce stade-là. Nainville-les-roches. Nainville-les-roches. Les, Nainville -les, les ont quand même reconnu les victimes de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes encore dans un processus de décolonisation, même si on veut nous faire avaler la couleur pour dire que les trois référendums, etc., etc., et que tout dépend de la révision, la révision du, de la Constitution française, le titre, le titre 13. Euh, et je pense qu'il... Il faut qu'avec toutes tout ces années d'expérience de, de, et deux accords qu'on a vécu, je pense qu'il y a les autorités coutumières et le peuple kanak, aussi dans la dimension des droits du peuple autochtone, euh, continuent à, 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 à chercher l'écoute, la compréhension. Mais il faut construire concrètement. Venez vers nous, vous les non-kanaks, venez vers nous. Venez vers nous. Venez dans les tribus, venez partager nos événementiels, venez partager le quotidien dans nos cases, venez partager le bougna, venez nous découvrir. Parce que nous, 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 on a, on a été vous découvrir. Moi, je suis un kanak, j'ai mon clan, j'ai mon grand chef. Et on m'a obligé d'aller à l'école. Moi, les, je suis assis entre deux chaises, mais je suis enraciné dans ma culture. J'ai fait faire des études. J'étais à l'école. J'ai appris à, à parler le français. Mais voilà, c'est la dimension, euh, la dimension euh, comment, euh, que moi, en tant que Kanak, comme vous disiez tout à l'heure, moi avec, euh, je vis avec ma, avec ma, l'évolution avec, avec euh, mon temps. Mais mes enfants aujourd'hui, ils, ils vont vivre aussi avec leur temps et aussi mes petits enfants. Donc c'est un appel c'est pour vous dire euh, n'ayez pas peur de nous, venez, partageons jetons, nous continuons à, à, à jeter les passerelles c'est le dialogue le dialogue interculturel mais il faut à un moment donné que, 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 que beaucoup reconnaissent qu'ici nous, nous sommes quand même un peuple, que nous avons accepté de, 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 nous, de nous ouvrir à vous qu'on construise ce pays ensemble et puis euh, jusqu'à même partager le, 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 le droit de vote pour le référendum etc, etc. que demain euh, la construction de ce pays ne se, ne se fera pas contre vous, mais avec vous. Voilà, merci. Tout ce que vous avez dit est en résonance avec ce que je pense. Deux petites remarques. Hein. D'abord, euh, les rapports de domination qui subsistent, ils euh, sont le reflet d'inégalités qui, euh, qui sont bien ancrées. Je ne connais pas de, de, de médecin kanak, je ne connais pas de, de pharmacien kanak, je ne connais pas de, de dentiste kanak. Ça, ça signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Mais vous revenez de loin, si je puis dire. Rappelez-vous, Elie Poigoun est le premier kanak à avoir passé son bac. C'est-à-dire que avant, avant les années 60, euh, il n'y avait pas de possibilité pour les kanaks, d'être au lycée, à fortiori à l'université. Là, il suffit de voir l'université de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui pour voir les changements. Simplement, la route est longue et elle, elle reste semée d'embûches parce que les jeunes Kanak réussissent bien aux examens, mais dans toutes les filières où il y a un concours sélectif. C'est vrai, vrai que leur possibilité de réussir le concours est autrement plus difficile. Donc il y a encore beaucoup de progrès à réaliser. Je souhaiterais, et je le dirai la semaine prochaine à la présidente de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, je souhaiterais que tous les étudiants en droit découvrent le droit CANAC en première année, en deuxième année, en troisième année. Quand je dis tous, ça ne peut pas être une filière ethnique. Il faut que tout le monde soit confronté à ce système juridique et qu'il soit connu. Parce que sans cela, on continuera, côté européen, à avoir des idées fausses sur lesquelles la peur s'installe. Il faut faire connaître la coutume kanak, sans cela, on continuera à raconter sur elle tout et n'importe quoi et avoir peur de vous. J'ai été très frappé par vos mots et, et ce que vous avez dit. Ce langage d'ouverture, c'est le langage effectivement qu'ont eu, qu eu les Canades depuis Nainville-les-Roches, qui, qui, a, qui a marqué un virage extraordinaire, puisque ceux-ci ont reconnu la légitimité des autres occupants enracinés sur ce sol. Il faut espérer maintenant que l'État soit équitable et tire les bonnes conclusions. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de demandes, de questions dans la salle. Notamment, il y a un monsieur là qui n'arrête pas de s'agiter en haut. Il est très connu. C'est pour ça qu'il s'agite beaucoup, d'ailleurs. Euh, mais il se fait tard. Donc, euh, je pense qu'il y aura peut-être une troisième mi-temps jusque sur le parking, euh, comme ça a lieu parfois. Euh, il y a encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de points d'interrogation. D'ailleurs, la conférence de la semaine prochaine en comporte aussi un. Ce sera Isabelle Merle, qui est historienne relativement connue sur le territoire, avec la conférence Faire peuple avec un point d'interrogation. Donc, est-ce que la semaine prochaine, nous verrons ce point d'interrogation disparaître Je vous invite à revenir le voir. Merci en tout cas à vous qui êtes restés jusqu'au bout et peut-être à la semaine prochaine.